Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Alors, c'est la dernière vidéo de mon calendrier de l'avant de Noël. Ce soir c'est le réveillon, demain c'est Noël. Je me dis que c'était un peu chaud de vous faire une recette. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu le massacre de la maison en pain d'épices. Mais ça on en reparlera demain d'ailleurs. Et je me disais que c'était sympa de faire une vidéo sur comment couper un poulet, une volaille, une dinde. Parce que c'est quelque chose qu'on sait peut-être pas faire forcément naturellement. C'est quelque chose que j'ai appris moi-même à l'école. Et donc je vais te montrer tout de suite cette recette. Donc la première étape, on prend, bon, moi je vais vous montrer sur un poulet rôti, mais ça ne change pas. Donc hop, on l'égoutte déjà. Donc moi je vais pas utiliser mes doigts, mais si vous êtes en cuisine vous pouvez très bien les utiliser. Alors, en fait, le poulet, il se compose de 4 parties à découper, plus 2 bis. En gros, on a les blancs qui sont ici, qui sont reliés avec l'aile, les deux cuisses et les solides qui sont en dessous avec le bréchet qui est là, l'os à souhaitation. Première étape, on va s'occuper de notre cuisse. Donc, on pique au niveau de la jointure des deux os et on va découper le long. Et en fait, vous allez voir, ça va venir tout seul. Donc là, ici, là, au niveau de la jointure de l'os, on coupe et on a une première partie. Je la mets dans mon plat, en haut à droite. Ici, là, on a un os qui se situe au milieu, ici, hein, à peu près. Et donc, on va le trouver. Et quand on l'a, on passe notre lame de couteau sur le côté. Attention, il faut avoir un bon couteau quand même, hein. Hop. Et donc, on va longer. Donc, la carcasse, elle fait un demi-cercle en dessous. Hop. Tac, 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 tac. On a cette partie-là. On va couper la peau ici, qui est serrée. Avec ma cuillère, je décolle le blanc de l'os. Vous verrez, c'est assez facile. Donc, jusqu'en bas. Hop, je veux bien vous montrer. Là, on va couper ici. Il y a un vide si on longe vraiment tout droit. Et on a notre partie de blanc. Après, libre à vous de pouvoir retailler. Je le mets au même niveau à droite de la cuisse. On va faire la même chose avec la deuxième partie. Clac, on pique ici, on longe. Attention à la peau comme je viens de faire. Je ne vais pas faire ça. Là, il y a le trou ici. On va venir le mettre en haut à gauche pour croiser en fait les ailes. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Et la même chose. Avec ça, je découpe le long du bréchet et on soulève avec la cuillère. Ça se décolle tout seul quand c'est bien cuit quand même. Et ensuite, quand on arrive au bout, un petit coup de couteau. Yop, allez. Parfait. Ensuite, ce que je disais, les parties annexes, c'est l'os à souhait. En fait, ici, il y a un creux. Ça, c'est si on voit bien. Il y a un creux qui se trouve ici. On va mettre notre cuillère en dessous. Clac. Il va venir tout seul. Hein. En fait, c'est un os qui forme cette forme-là. Je sais pas, un V, on peut dire. On va le placer au centre. On peut gratter un petit peu les chairs, mais vous voyez, il ne reste pas beaucoup de choses. Le croupion. Alors, moi, personnellement, je ne le mange pas. Il y a des gens qui le mangent, mais je vais le laisser dessus pour l'instant. Ensuite, le plus important à ne pas oublier, ce qu'on appelle les solilès. Donc c'est le creux en fait des reins du poulet. Ils sont là, avec la cuillère, pas de couteau, pas de fourchette. On va creuser. Hop. Et ça vient tout seul. Il y en a deux, hein. Un ici. Et l'autre là. Je mets dans mon plat. Alors c'est vraiment hyper classique, hein, comme recette. Attention. Donc le solilès au-dessus des cuisses. Hein. Hop, on peut gratter ce qui reste de chair. Et je parle pas de la chanteuse. Oh, quelle blague de merde. On peut gratter ce qui reste de chair. Et puis la mettre avec. Mais il restera pas beaucoup de choses à mon avis. Tadam, c'est terminé. Ma technique
on peut appeler ça une vidéo technique, hein, est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite en tous les cas un joyeux Noël, parce que ce soir à minuit c'est Noël, c'est les cadeaux, c'est plein de choses. Enfin, moi, perso, pour moi c'est le 25, mais il y en a qui le font 24, je sais. On se retrouve demain pour une petite vidéo explicative de la suite de ma chaîne YouTube. Très bonne journée, bon réveillon à tous, et à demain.